regardant le sommet de la tour de l'observatoire, Phénix pouvait voir le planétarium. Voir le planète quoi ? Ça représente l'orbite des planètes et... Tu sais quoi ? Laisse tomber. Ce mur est abîmé. Je me demande s'il existe un moyen de le franchir.
tandis qu'elle poursuivait son périple, Phénix se demanda si son histoire serait un jour contée dans le grand livre des étoiles. Hermès dit que les étoiles racontent des histoires, mais moi je comprends pas. Peut-être que je sais pas lire. Ce qui franchement ne m'étonnerait pas. Je vais devoir résoudre ça pour me procurer le morceau d'aile manquant. On ne résout pas les étoiles, ce sont les étoiles qui nous résolvent. De moi, c'est ce que m'a dit un jour Elisabeth, une astrologue. Je lui fais entièrement confiance, une confiance aveugle. Pourtant, elle t'a volé? Oui, elle m'a tout pris. Mais je l'ai transformée en baie de Genièvre. Alors au final, je m'y retrouve.
Bienvenue sur l'île d'or, en souvenir de mon plus grand succès et de mon plus grand échec. Puissent les dieux accepter mon offrande et puissé-je te revoir, Icare. Ce sont les ailes du grand Dédale. C'est sûrement lui qui a dû bâtir tout ceci, tous ces temples. Je n'ose pas imaginer ce que représente la perte d'un fils dans de telles circonstances. J'ai récupéré le morceau d'aile et rapporté la jardéole du Tartare. Reste à retrouver cet étranger au sommet de l'observatoire. Quoi? C'est pas moi qui ai tué Icare. Dédale a mal fabriqué ses ailes. Et où est Dédale en ce moment? Voilà. Le silence. Je suis sûr que Phénix le découvrira. Enfin, on verra. Ah!
Tu m'avais bien dit que tu préparais quelque chose. Oui, je me préparais à ton retour. Tu as les ailes? Oui. Voilà. Pas vraiment comme neuve, mais bon. On fera avec. Tu as la jarre, n'est-ce pas? Prépare-toi à l'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de maudit voleur! Tu as vraiment cru pouvoir m'échapper? Tu as volé un objet à cette chose? Je te l'ai dit, j'ai un problème! Minable garçon de course! Tu n'es pas digne de la couronne qu'on t'a offerte! Nous allons t'avoir, Typhon! Comme l'autre fois! Nous? Il n'y a plus de nous. C'est terminé. Phoenix, maintenant! Déploie tes ailes! Je ne peux pas! Là, je te tiens. Tu ne te cacheras pas éternellement! Bon, il faut qu'on se mette à l'abri, et vite! Mais c'était quoi, ce monstre? Typhon. Comment? Le Typhon? Tu l'as dit, ma jolie. Bon, il faut qu'on rejoigne la Halle des Dieux. Là, nous pourrons parler. Prête à prendre l'air? Ce sont les ailes de Dédale. Le grand Dédale. Le célèbre inventeur. Et alors? Alors, elles n'ont pas fonctionné comme prévu, et son fils est mort. Mais avec toi, ça ira. Ne t'approche pas trop d'Hélios, et évite d'aller te soulager s'il y a des turbulences. Tu devrais pouvoir arriver à destination sans t'écraser. Enfin, normalement. D'abord, tu me voles, et maintenant, tu me sauves. Pourquoi? Je n'ai pas saisi la totalité de ce qu'a dit l'oracle, mais si la prophétie est vraie, âme héroïque élevée, tu es la seule à pouvoir empêcher Typhon de transfigurer le monde. On ne sait même pas si cela me concernait. Toi qui cherches toujours à aider tout le monde, tu devrais accepter les coups de main qui se présentent. De quoi est-ce que tu parles? Parlez-moi! Comment veux-tu que le messager ailé apporte son aide si tu ne me laisses pas faire? Avec l'aide du messager ailé. Attends. Le messager ailé? C'est pas vrai! Tu es... Hermès, j'aime énoncer des demi-vérités, jouer des tours et courir tout nu sur la plage. Bon, on peut y aller? Les autres dieux ont besoin de nous. Les autres dieux? Tu veux dire que toutes ces histoires sont vraies? Tu fais une drôle de tête. Ta mâchoire recommence à pendouiller. Vole jusqu'à l'île d'Or, retrouve-moi à la Halle des Dieux. Je t'y attendrai. Sur ce, Hermès disparut. Au-delà de l'étroite bande marine, Phénix observa les monts et les vallées de l'île d'Or, au loin. Le long chemin conduisant à sa destinée s'étendait devant elle. Quoi ? Ce n'était que le prologue, ça? C'est pas possible! Comment une histoire peut-elle être aussi longue à commencer? Ulysse a mis moins de temps à rentrer chez lui! Elle s'apprête à sauter. Tais-toi et écoute.